Salut salut les amis, c'est Fit for Fun, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, défi création d'équipe, DCE live avec la carte de Davinson Sanchez. Moment joueur, franchement il a une belle carte, elle n'est pas excessive, vraiment elle n'est pas excessive, elle fait 100, un peu moins que 150 000 crédits. Rendement du joueur moyen élevé, mais on sait que franchement il cheat ce type, donc il n'y a aucun... Il n'y a aucun souci à faire, franchement, si vous cherchez un défenseur de première ligue à un prix à peu près correct, parce que 150 000 crédits, franchement, pour un joueur comme ça, aussi cheaté, franchement, je pense que ça vaut le coup. Si j'avais pas eu David Luiz et Van Dijk en défense centrale, je pense que je l'aurais fait, honnêtement. Donc, voilà, il fait 1m87, bon, geste technique 2 étoiles, mauvais pied 3 étoiles, on s'en fout complet. 73 d'accélération, 85 de vitesse, les frappes on n'en parle pas, les passes il a quand même 85 de passes courtes et 75 de passes longues. Au niveau des dribbles c'est pareil, ça n'a rien à en parler, mais il a quand même 88 en réactivité, 81 de conduite de balle et 83 de calme. La défense et le physique c'est le plus intéressant. Interception 86, précision de la tête 84, lucidité défensive 86, tacle debout 89, tacle glissé 91. Détente 80, endurance 80, force 89, agressivité 93. Franchement, vous lui mettez une petite carte ombre et franchement, il aura encore plus une belle carte. Allez, on commence. Première ligue. Première ligue, il fallait un joueur de première ligue, il est là. J'ai fait exprès de prendre un espagnol pour avoir le collectif parce que vous savez à quel point c'est chiant d'avoir un collectif à 80 avec une note générale à 85. Il n'y a pas grand chose à changer, je vous le dis direct, il n'y a vraiment rien à changer en fait. Il n'y a rien à changer. On commence avec Jasper Silsen, Daniel Parejo, Marc Bartra, Raoul Albiol, Kepa, Asier Ilaramendi, James Rodriguez, Isco, Iago Aspas, Karim Benzema, et on termine avec Marco Asensio. Ce DCE-là coûte 72 000 crédits, et honnêtement, vous allez voir le prochain, il fallait juste un boost en plus, mais c'est quasiment la même équipe. Donc 72 000 crédits pour ce DCE-là, et celui d'après, 74 000 crédits pour ce DCE-là. Donc vous allez me dire, c'est bizarre, il y a un joueur boost. Oui, mais vu qu'il faut un collectif un peu moins, on gagne pas mal de crédits avec Onana. C'est le seul joueur à 85 qui vaut vraiment pas grand-chose. Et du coup, on gagne par héros, par exemple, à la place. Donc c'est pas mal, quoi. C'est pas mal. On commence. Donc il fallait un joueur de l'équipe de la semaine, une note générale à 85, un collectif à 75. On commence, quasiment les mêmes joueurs, comme je vous ai dit. Jasper Silsen, André Onana. Mais là, vous pouvez mettre n'importe quel 85 à la place d'Onana. Si vous avez un Ibra, ou un Higuain, ou un Lukaku, ou Milinkovic-Savic. Enfin, qui vous voulez, du moment il a 85, même Ziyech, il n'y a aucun problème. Ça passe. Raoul Albiol, Marc Bartra, Duvan Zapata, la version boost de l'équipe de la semaine à 86. Sergio Canales, Asier Ilaramendi, Isco, Iago Aspas, Marco Asensio, et on termine avec Karim Benzema. Voilà les amis, donc moins de 150 000 crédits, honnêtement ça coûte 146 000, 72 000 pour le premier, 74 000 pour le deuxième, ça fait 146 000 crédits pour la carte de Davinson Sanchez, moment joueur. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager, ça fait toujours plaisir. Nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. En attendant, prenez bien soin de vous. Ciao les amis!